Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le Best Fighter, le petit tournoi en mini-championnat et les troisièmes rencontres entre AOF de Kenshiro et Boule Rose et son Ryu, et à mes côtés HT Phenom. Salut Phenom. Salut Lorenzo, bonjour à toutes, hein, parce que je préfère les demoiselles quand même, merde. Et voilà, donc dans ce mini-championnat, Kenshiro mène de 5 points sur Boule Rose qui en a 3. Joli Tatsu X, hein, le meilleur reversal de Guy. Plus il met dans le coin. Et là, bonne défense de Kenshiro, mais c'est chopé. Un petit décalage de shop. Il essaie de se rapprocher avec le petit kick. Hein. C'est beaucoup pour se rapprocher, ça, plus que pour frapper. C'est ça. C'est plutôt placé de positionnement. Et là, encore, il continue avec les ados. Et contente la petite tacle glissée. Ouais, beaucoup de vertical gros pieds pour casser les sauts. Ouais. Il n'hésite pas, et encore une shot. Encore une shot, il s'est enfermé, mais là il tacle au hit. Il tente un cross-up, et voilà le dragon. Joli bourrage, hein, magnifique. Ah là, il a fait du vrai burn. Ouf. Et oui, mais bon, il a réussi quand même à prendre le round sur le coup. Et oui, avec un bon dragon, la Ryu. Voilà, c'est ça. Allez, c'est reparti. Ah voilà, le petit Hadouken, enfin, le percute et le Tatsu OX. Ouais, le Kenshiro il est bon aussi pour les reversals, hein. Ouais, il en place des beaux. Et là, des chops. Attention, il a tenté. Ouais, il a tenté, mais il n'a pas réussi. Il se fait choper, il est enfermé dans le coin en plus. Ouh, le Tatsu a anticipé la balayette. Et il se fait choper. Et chop, voilà, attention. Ah là là, ouf, oh, joli bourrage. Le target combo, le shooter. Voilà. Et le Tatsu OX, il remet de loin. Il est bienvenu sur ces petites phases là. Ah oui, en une accélération quasiment. Il va essayer de s'approcher, il faut faire gaffe parce que Ryu est très fort pour défendre. Oh, bien placé. Ouh, le temps de cancel, il a usé beaucoup de barre X, mais ça passe bien. Ah oui, bah, il a tout usé là. Il s'est vidé. Oh, ouais, le run bien placé. Hein. Ah, voilà, le run grattage, enfin, je pense que ça gratte ça. Oui, ça gratte. Eh oui. C'était le meilleur choix. Hein. C'est ce qu'il fallait exactement. Ouais. Et voilà, il refait la. Ouh là, il a anticipé. Il a mis la shot. Ouais, c'est ingardable. Target dans la garde. Et le Zanjo. Oh, ah, il a mindé la balayette là. Ah, il a senti venir. Il a fait quelques fois aussi, Boule Rose. Hein. Il a pas modifié son jeu. Ouais. Et il s'est fait dire. Attention, encore un petit pied pour se rapprocher. Je crois que c'est un bas médium ça. Ça, c'est le bas médium, oui. Ah ouais, c'est ça. Il a raté de Boule Rose. Ouais, et il s'est punir hein, directement. Hein. Ah ouais, là il a pris le bon reversal. Hein. Hop, il passe de l'autre côté, il continue. Bah, son vertigo. Oh là 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 là, bien. Tout utiliser la balayette, Tatsu, le Hadouken et hop, la chop. Et d'ailleurs, c'est bête de mettre la balayette après la cancel parce que là il y avait ultra. Hein. Il y avait ultra. Ce qu'il cherchait à faire. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, ça aurait fait super mal. Encore, il aurait sorti un gros point, j'aurais compris un raté, mais un vague au pied, je comprends pas vraiment. Allez, là il repart de nouveau, même face que tout à l'heure. Bouge le devant derrière. Ah, il a perdu. Ouh, le Tatsu Shoryu, il est dans le coin. La petite poke. Et il met la pression et hop là, petit combat de kick. Et la chop. Ouais. Il fait la glissade pour sortir du coin et la petite chop. Oh là là, le drag qui sort, on sait même pas où. Il n'y a même pas eu de point tellement. Mal à dire celui-là. Ouh, Tatsu OX, il est enfermé. Allez, faut placer. Ah, on a du dragon en tout cas. On a du dragon, ouais. Du vrai, ouvre le cross-up. Ah, il a pas enchaîné derrière, mais il se rattrape derrière avec ce petit run balayette. Et il refait. Oui. Le cross-up est très ambigu, du coup on a du mal à le voir. Hein. Même lui, il a du mal, je pense. Ouais, c'est peut-être et ça. Il a, voilà, et comme tout à l'heure, il a refait, il a encore anticipé la balayette, à mon avis, c'était. Hein. Je sais pas, on n'a pas vraiment eu le temps de voir. Ouais, puis en plus, ça fait victoire. Ouais. Je pense qu'il y avait balayette, ou en tout cas, il a tenté quelque chose. Voilà, il a tenté quelque chose. Il s'est fait punir, et voilà, donc Kenshiro, 8 points, sera donc deuxième du Best Fighter. Qu'est-ce que t'en as pensé du match, Phenom? Ah bah, c'était un match assez intéressant. Hein. On avait un Guy qui était obligé de rusher sur un Ryu. De toute façon, Guy, il a pas le choix, hein, mis à part ses targets. C'est pas un perso qui a grand-chose. Ouais. Bon, Reversal le X, qu'il a d'ailleurs beaucoup utilisé. En même temps, je pense que quand il a vu que Boule Rose ratait à peu près tous ses combos, il s'est dit, je vais pas hésiter. Hein. Ouais. En plus, ça fait anti-cross-up et tout. Ce Reversal, il est très bon.
Après, dans tout ça, Kenshiro, il a très bien mindé, il a fait le jeu comme il fallait, et voilà, quoi. Le Bull Rose qui a quasiment raté tous ses combos, et là-dessus, ça l'a tué, hein, clairement. C'est ça. Ça l'a et pas voilà. Puis des erreurs grossières aussi, puis c'est tout. Hein. Non, Kenshiro était clairement au-dessus, et c'est même dommage qu'il ait perdu le premier round. Hein. Ah oui, sur le dragon, où il a mieux maîtrisé sur le coup Bull Rose un petit peu ce round que les précédents. Ah, il a deux trois gros reversals qui sont passés, puis ça fait mal à la barre de vie. Hein. Enfin voilà, c'était une rencontre intéressante. Voilà. Eh bien, merci d'avoir commenté à mes côtés, Finom. C'est toujours un plaisir. Et j'espère que cette rencontre vous aura plu et que l'esprit des combos soit avec vous.